Alors là, un plat qui me fait perdre littéralement le sourire, puisque vendredi soir, on commençait à, à se poser un peu, à se dire ça y est, le week-end arrive, et en fait on a eu une grosse panique. Une grosse panique pourquoi Eh bien, vous l'avez peut-être vécu, je vous en ai parlé évidemment directement sur mon Twitter, mais un appel aux urgences évoquait une situation de crise, hein, vraiment, dans les bâtiments d'Ubisoft, avec une demande de rançon de 2 millions de dollars. Vous voyez euh, sur les images, hein, c'était donc à Montréal, euh, les employés d'Ubisoft étaient montés sur le toit, c'était barricadé, il y a les forces spéciales qui ont été envoyées sur place extrêmement rapidement. Bon, situation vraiment extrêmement euh, intense, Et même si fort heureusement il ne s'est rien passé de dramatique, tant mieux, tout simplement car eh bien c'était un canular au secours. Au secours, le genre de canular. Voilà, donc moi j'ai quand même une vive pensée pour les employés du parce que je sais pas si vous imaginez la pression psychologique qu'on subit dans ce genre de cas, parce que même si ça finit bien et tant mieux, sur le coup, je pense qu'il y en a certains qui ont dû mais, extrêmement flipper, et c'est bien légitime, dans ce genre de situation. En plus, les choses peuvent totalement déraper, hein, et la souffrance peut être aussi mentale. Bref, à titre personnel, ce genre d'agissement n'est pas du tout du jeu et doit être fermement condamné. Je rappelle quand même qu'en 2019, l'année dernière, un Américain qui s'était amusé à faire du swatting, c'est-à-dire appeler la police pour des situations totalement fausses, et de faire venir chez un streamer ou dans une société ou autre, eh bien, il a été condamné à 20 ans de prison parce que ça avait dégénéré et qu'il y avait une personne qui avait perdu la vie. C'est terrible. Ce n'est pas du tout. À prendre, euh, à la légère, véritablement. Et c'est pour ça d'ailleurs que toutes les personnes qui s'amusaient quand on ne savait pas encore si c'était un canular de la situation, pour moi les choses sont très claires, c'est bye bye. Je vous vire littéralement de mes réseaux sociaux, je ne veux pas voir ce genre de choses. S'amuser, euh, rire de la potentialité de mort, ça me paraît impensable, véritablement. En tout cas, vous avez le droit de le penser, etc., mais pas chez moi, franchement. Et donc, petit message d'Ubisoft Montréal. Nous tenons à saluer le courage et le sang-froid dont nos équipes ont fait preuve aujourd'hui. Notre objectif est d'assurer leur santé et leur bien-être. Nous souhaitons également remercier le SPVM pour sa réponse rapide et professionnelle qui a permis de maîtriser la situation. Nous sommes extrêmement soulagés que la situation ait pu être résolue sans incident et nous tenons à vous remercier pour votre soutien et vos bons mots. Voilà, c'est signé de l'équipe de Ubisoft Montréal. Eh bah bien écoutez, évidemment... Tant mieux, et que ce genre de choses ne se reproduisent pas vivement, qu'on puisse tourner la page de ce genre de blagues absolument abjectes. C'est tellement pas drôle.